Dans un monde quelque part dans les univers, à une époque s'apparentant à une ère médiévale légèrement anachronique, le seigneur du domaine de Sorbet, un jeune homme nommé Givray, va recevoir une injonction divine, pour le moins inexplicable. Givray ! Givray ! Givray ! Oh Givray, bordel, tu réponds merde ! Quoi ? Qui me parle ? Je suis Falouf, et je suis pas un dieu quelconque. Falouf ? Le Falouf ? Non, l'autre. Ah, ok. Ouais, d'accord. Bref, j'ai bien Givray de Sorbet, descendant de Sérac de Sorbet, lui-même descendant de Frima de Sorbet, lui-même descendant de Congère de Sorbet. Ouais, ouais, vous avez le bon, pas la peine de passer toute la généalogie. Insolent. Interrompre un dieu. Tu mérites la mort pour ça. Ah ouais? Et par quel supplice? Pas besoin. J'ai juste à dire Givray de Sorbet, c'est bon. Merde, j'ai gaffé. C'est que j'en ai encore besoin de ce gars. Bon ben, une petite résurrection et c'est reparti. Espèce de malade. Tu mérites encore plus la mort. Ah ouais? Et quel genre de mort? La mort par décapitation. Mais je vais contenir et te donner ta mission. Quoi? Comment ça, une mission? Tu crois que j'ai accepté? Après le meurtre de ma personne par toi? Ben, t'as pas le choix, c'est écrit dans le script. Oh putain, oh putain, oh putain! Tu vas bien? C'est pas passé loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est rien, c'est rien. Juste un mur de ma chambre qui s'est écroulé. Ah bon? Lequel? Le quatrième en partant de la gauche. Ouais, enfin, je te demande, mais au fond, rien à foutre, quoi. Je m'en branle, en fait. Sympa. Tu me voulais quoi, sinon? Oh, pas grand-chose, tu sais. Juste emmerder mortel, acheter ma brioche chez Joël le pianiste, t'es confié une quête, pourquoi pas vider ma baignoire sur vos champs aussi, tant que j'y suis. Tu vois, genre de trucs normaux, quoi. Ah, ok. Hein? Quoi? Oh, du calme, hein. T'as craqué ton slip ou quoi? Non, c'est pas ça. T'as dit quoi? Attends, c'est quoi un slip? Eh bien, c'est une pièce de vêtement que tu enfiles pour recouvrir tes parties génitales afin de les préserver de tout contact. D'accord. En fait, je m'en fous. T'as dit quoi avant, ça? Oh, pas grand-chose. Si. T'as dit un truc super important. C'était quoi? Emmerder mortel. Non. Plus loin. Et brioche chez Joël. Encore plus loin. En bas, quoi? Non. Avant ça. Il y a une quête. On va s'en contenter. Donc, tu déboules ici. Tu défonces mon mur. Tu me tues et tu me ressuscites. Juste pour m'envoyer faire une quête à la con. Alors, pour commencer, j'ai pas touché à ton mur. Ensuite, non, c'est pas une quête à la con. Et vu que je suis dieu, tu vois, t'as pas trop le choix, quoi. Ouais, sans blague. Ton but est de récupérer la relique des affres. Des affres quoi exactement? Des affres marins, des affres monstres, des affres brins d'herbe? Des affres. Juste des affres, hein. Rien d'autre. Ok. Cette aventure sera appelée... La croisade solitaire. Et je commence quand? Eh ben dis-moi, tu changes d'avis, dis donc. Je n'ai pas envie de mourir une seconde fois. En effet, c'est une bonne raison. En tout cas, tu dois aller au village d'à côté, qui est à 30 km d'ici. Ok, bon ben j'y vais alors. À toutes. Comment ça, à toutes? On va pas se taper tout ton voyage non plus, hein. On va faire des ellipses. Je cherche plus à comprendre. T'as raison. Arrête de réfléchir, tu te ferais mal. Merci de ta sollicitude, c'est très gentil de ta part. Ah si, ça me touche vraiment, vraiment bien. Hey! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee.